C'est le professeur Bernardus, vous me reconnaissez. Je suis tranquille chez moi, je suis dans ma salle de sport. Oui, une salle de sport tout à fait improvisée. Regardez. Voilà, j'ai mis le punching ball. J'ai attrapé, parce que j'avais pas trop les moyens de m'acheter un gant de boxe, j'ai pris un vieux gant de cuisine pour m'entraîner sur le punching ball. Allez, et regardez. Ces muscles que j'ai, ça fait 3 semaines exactement que je m'entraîne. Et regardez, c'est pas le Photoshop là. C'est pas comme le grand timonier avec le grand timon, et qu'il a fait croire à tout le monde qu'il avait des muscles. Ouh là 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 là. Mais vous savez, le grand timonier, c'est celui qui dirige tout, 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 tout. Et dire qu'il faudrait 58 personnes simplement pour lui enlever le timon. Mais non, mais les 58, ils ont les poètes. Bon, en tout cas, moi, j'ai pris exemple parce qu'il faut toujours être positif et prendre l'exemple sur quand on nous montre quelque chose d'intéressant. Donc moi, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de muscles, alors j'ai voulu faire pareil. Voilà, je me suis entraîné et regardez, 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 je mets là, voilà, là. Presque, vous pourriez toucher, hein? C'est deux muscles. Allez, je vous dis à bientôt, je m'entraîne, hein? Allez, ciao les amis. Voyez, c'est pas compliqué. Un oreiller. Un étendoir, vous le voyez bien, j'espère. Et vous avez des muscles. Là, je vous dis pas. Allez, bon. Ciao, les amis.